Salut à toutes, salut à tous. Eh bien, merci encore une fois d'être avec nous pour ces ConfKids ce matin. Pour ceux qui ne connaissent pas les ConfKids, eh bien, ce sont des discussions avec des personnes qui changent le monde pour des enfants à partir de 8 ans et jusqu'à 108 ans. Et avant, elles se passaient évidemment en présence. On se retrouvait dans une très belle salle qui nous était offerte par nos amis Pixelis. Et puis, bah, évidemment, depuis le confinement, comme on n'a pas le droit encore de se réunir en grand nombre, on fait ça en ligne. Alors, pour toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, si vous avez Zoom, eh ben, rejoignez-nous sur Zoom parce que c'est là que vous pourrez parler avec notre intervenant d'aujourd'hui qui est une personne magnifique et ça vaut vraiment le coup de lui parler en direct plutôt que de laisser vos commentaires. Et tous ceux qui n'ont pas Zoom, eh ben, laissez quand même les commentaires sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, bref, partout où on est live. Pour ceux qui sont sur Zoom, du coup, je vais vous partager mon écran pour vous expliquer comment ça marche. Alors, quand vous avez Zoom, vous avez un petit carré en bas où il y a marqué Q et R, c'est pour questions et réponses, et puis questions et remarques. C'est l'endroit où vous pouvez nous partager les choses que vous avez envie de nous partager. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur ce petit carré blanc, vous inscrivez votre remarque, votre question ici, vous cliquez sur envoyer, et puis nous, on le voit dans le question-réponse qui s'affiche pour nous. Alors, on nous pose souvent la question, ne vous inquiétez pas, les enfants, vous ne voyez pas en fait vos remarques, vous ne voyez pas ce que vous écrivez. Sauf si on y répond, c'est pour vous protéger, c'est pour éviter que s'il y a une personne qui vient et qui écrit des choses qui ne sont pas très recommandables, eh ben, ça vous évite de les voir et nous, ça nous permet de vous protéger comme ça. Si vous voulez lever la main, et on vous encourage encore plus aujourd'hui à lever la main parce que vraiment toute cette ConfKids va être très particulière, on a beaucoup besoin de vous aujourd'hui, vous cliquez sur « lever la main ». Nous, on voit ici que vous avez levé la main et on vous donne la parole. Et surtout, pas d'inquiétude, vous n'apparaissez jamais à l'écran, vous avez juste à vérifier que vos micros sont bien branchés et puis on ouvre la discussion avec vous. Alors, cette ConfKids aujourd'hui, elle est très particulière. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Je vous explique. C'est tout ce qu'on a vécu là, toute cette période confinement, déconfinement, crise sanitaire, etc., c'était un événement qui était inédit. Inédit, ça veut dire qu'il n'était jamais arrivé pour nos générations. Et puis, ça a été parfois douloureux, parfois compliqué. Mais la bonne nouvelle, on l'a vu tout au long des ConfKids qu'on a fait pendant toute cette période, c'est qu'on peut apprendre aussi des choses de cette période, on peut en tirer des enseignements, on peut en tirer des leçons. On a quand même été 4 milliards et demi à être confinés, enfin à vivre ce moment-là tous ensemble. On sait que le virus a été un peu partout sur la planète, donc on l'a tous vécu tous ensemble. On ne l'a pas vécu de la même façon, mais évidemment, il y a quand même une grande histoire collective qu'on va sûrement se raconter pendant des années, des générations et des générations, nous, à nos enfants, vous, les enfants, à vos futurs enfants. Et puis, les récits. Ce qui est formidable avec les récits, c'est que d'abord, c'est très beau, ça nous fait voyager. Et puis, c'est important pour se transmettre ces fameux enseignements et puis se rappeler notre histoire collective, l'histoire de l'humanité de génération en génération. Alors, on s'est dit que ce serait chouette de réfléchir ensemble aux ingrédients de ce que pourrait être cette histoire, de ce qui s'est passé là collectivement sur la planète. Et puis, évidemment, pour trouver les bons ingrédients de cette histoire, il faut deux choses. La première, il faut écouter ceux qui ont vécu cette histoire. Alors, on s'est réunis avec plein de personnes qui travaillent avec des enfants, qui ont animé plein de choses pour les enfants pendant tout ce confinement, pour réunir vos histoires. Et on les a lues et on les a écoutées. Donc, on s'est réunis avec nos copains de Startup for Kids. Alors, Startup for Kids, ils organisent des événements pour les jeunes pour explorer le monde futur, pour imaginer des innovations, c'est-à-dire les nouveautés qu'on va inventer. On a discuté aussi avec Soft Kids. Soft Kids, ils proposent des applications pour développer le savoir-être. Le savoir-être, c'est comment on est empathique, c'est-à-dire comment on se connecte aux autres, comment on collabore, comment on s'adapte à une situation. On a discuté aussi avec la Carabane. Et la Carabane, ils organisent des ateliers philo pour les enfants. Et puis, pour finir, on a aussi discuté avec nos copains de Bayam. Vous les aviez vus quand on avait fait la ConfKids avec Nawel et Thomas. Et Bayam, ils ont fait un grand sondage, c'est-à-dire qu'ils ont interrogé les enfants pour leur demander comment ils ont vécu cette période. Et donc, on a réuni tout ça. Et puis, on a lu, on a écouté tout ce que vous nous avez raconté. Et puis, le deuxième ingrédient, c'est qu'il faut s'inspirer d'autres histoires. Il faut s'inspirer de ce que d'autres ont déjà vécu avant ou de grandes histoires qui nous offrent de grands enseignements. Donc, la ConfKids aujourd'hui, elle vous propose un grand voyage conté qui va être inspiré de vos histoires à vous, celles qu'on a lues, mais aussi celles que vous allez nous partager tout au long de la ConfKids aujourd'hui. Donc, vraiment, levez la main, partagez avec nous, racontez-nous, inscrivez-nous des choses dans les commentaires et dans le question-réponse. Et puis, évidemment, pour que ce grand voyage conté puisse être le plus beau, le plus inspirant possible, il nous faut évidemment un conteur de génie, quelqu'un qui est capable de rebondir sur tout ce que vous allez lui dire ce matin. Et donc, on a fait appel à notre ami Malek Boukherchi. Salut Malek. Salut Déborah.
Alors Malek, on a fait appel à toi déjà parce que tu es un conteur d'histoires fabuleux. Voilà, moi j'ai écouté des histoires. Alors tu comptes aussi aux adultes, hein, parce que les enfants, il faut que vous sachiez que nous, les adultes, on continue à écouter des histoires et on continue à se laisser embarquer. Et on a fait appel à Malek donc parce que c'est un conteur d'histoires merveilleux, mais en plus, c'est aussi un ultra-marathonien de l'extrême. Alors c'est quoi un ultra-marathonien de l'extrême? Mais je vais te laisser raconter Malek, mais je vais juste introduire. Bon, un marathonien, vous avez sûrement entendu ce que c'est déjà les enfants, c'est quelqu'un qui court le marathon. C'est-à-dire qu'il fait une course de 42 km. Un ultra-marathon, c'est quelqu'un qui court beaucoup plus que 42 km. Et un ultra-marathonien de l'extrême, c'est quelqu'un qui court beaucoup plus que 42 km, mais dans des conditions incroyables. Par exemple, il va courir dans des déserts de sable ou de glace, il va courir dans des montagnes, il va courir dans des endroits qui sont magnifiques. Donc Malek, non seulement c'est un conteur incroyable, mais en plus, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à toutes les situations. Voilà, donc installez-vous bien, posez-vous dans votre canapé. Si vous vous êtes fait une petite boisson chaude, bah, sirotez-la tranquillement. Malek, comment ça va ce matin? Eh bien, ça va forcément très bien, hein, qu'à l'idée d'être avec toi et surtout d'être avec des grands maîtres de sagesse que sont les enfants, parce qu'on a beaucoup à apprendre de vous. Hein. Donc, salutations à toutes et à tous, hein, aux petits et aux grands. Hein. Et bien sûr, cette conf-kid n'a de sens qu'à partir du moment où c'est vous qui allez prendre la parole. Et c'est une joie parce que je sais que nous allons apprendre ensemble. Et n'oubliez pas, lorsqu'on parle d'apprentissage, et vous êtes en période d'apprentissage aujourd'hui, que ce soit à l'école, à la maison ou à l'école, maintenant qui est en train de se remettre en place, apprentissage, ayez en tête, la vie est toujours un apprentissage, et écrivez-le en deux mots, apprenti-sage. On est tous des apprentis sages. On a toujours à apprendre de quiconque. Et votre parole est une parole féconde. Ça veut dire qu'elle est profonde et il y a forcément des choses à comprendre par-delà les mots. Donc, grande joie. Et la joie, c'est la clé pour avancer. Et bien, la joie est partagée. Alors, je vais poser une première question aux enfants. C'est les enfants, comment vous avez réagi quand on vous a annoncé le confinement? Est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, je n'avais pas compris. Alors, quand on a annoncé le confinement, il y a Raïm qui nous dit « moi, je n'avais pas compris ». Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Christelle. Alors, il y a Christelle qui lève la main. Sam, on peut donner la parole à Christelle, s'il te plaît? Il y a déjà quelqu'un qui nous partage quelque chose. C'est bien. Malek, il faudrait que tu redresses un peu ta caméra parce qu'on ne te voit presque pas. D'accord. Merci. Salut Christelle, tu es là? Ouais, comme ça, c'est nickel. Christelle, on est avec toi. Si tu veux nous dire quelque chose, tu as juste à brancher ton micro. Non. Bon, eh ben, écoute, je ne sais pas. Tu as peut-être levé la main par erreur. C'est pas grave. Alors, OK. Alors, et moi, alors je me suis sentie, j'étais triste. Il y a Juliette qui nous dit j'étais triste. OK? Il y en a qui étaient choqués. Il y en a qui étaient heureux parce qu'il n'y avait plus école. Bah oui, tu m'étonnes. C'est quand même exceptionnel dans une vie de tout d'un coup, l'école s'arrête, quoi. Enfin, moi, personnellement, j'aurais été contente. Bon, évidemment, ce n'était pas les bonnes raisons, mais en tout cas, l'arrêt d'école était chouette. J'étais inquiète, j'étais triste. Elaya qui me dit un truc. Donc, Elaya, c'est ma fille, comme vous savez, qui est toujours à côté de moi quand on fait les conf-kits. Qui suit? Tu dis quoi, toi? Triste, surprise et contente. Christelle, t'es avec nous. Coucou. Bonjour. Alors, quel âge tu as? J'ai 9 ans. 9 ans, on t'écoute ma chérie. En fait, je suis un garçon, mais c'est juste que c'est le nom de ma mère. C'est quoi ton prénom alors? Kezia. Kezia, eh bien on t'écoute. Moi, quand on m'a dit qu'il allait y avoir le confinement et le coronavirus, moi j'étais un petit peu choquée. T'étais choquée pourquoi en particulier? Qu'est-ce qui t'a choquée? Bah déjà, c'est qu'il y a une grande épidémie comme ça et que aussi que j'allais pas vraiment voir mes amis et j'allais pas aller à l'école et tout le reste. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux nous partager autre chose? Moi, ça va. Il y a sans doute d'autres mondes qui veut parler, donc. Eh bien, pour le moment, non. Donc, si tu veux nous partager encore quelque chose, tu peux. On nous écrit sur le question-réponse. On nous dit « j'étais triste de ne pas aller à l'école, mais content d'être en famille ». Bon, essentiellement, ce qui remonte, c'est que les enfants étaient tristes et qu'ils étaient choqués. C'est vrai que c'est étonnant, Malek. En fait, on se retrouve enfermé, un peu comme en hibernation, quoi, finalement. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça t'évoque comme conte, Malek, ce que nous disent les enfants? Déjà, il y a… Ce qui est intéressant, on passe par différents états émotionnels. C'est ce que disent les enfants et on est tous passés par là. Il y a d'abord un état, quand ils parlent de tristesse, de choqué, il y a un joli mot que vous connaissez peut-être les enfants, la sidération. On a tous été sidérés.
C'est intéressant, le mot sidération, ça vient du latin sidus, qui veut dire les astres, les étoiles. On est figé. Et quand on est sidéré, on ne peut plus dire des mots, on ne peut pas s'exprimer. Donc, il y a un choc. Il faut absorber le choc. Et une fois qu'on a absorbé le choc, on est capable de mettre des mots ensuite. Donc, du choc, on va passer à l'expérience. Et donc, là, ce que vous faites, les enfants, et c'est ce qu'on a tous fait, on a tous su passer d'un état de sidération, d'un état de choc, d'un état où on ne comprend pas. C'est-à-dire, oui, et même nous, les adultes, on n'a pas compris. Et à un moment donné, il a fallu essayer de comprendre et de faire face. Faire face, tenir. Donc, la question qui nous est posée à vous tous, les enfants, et vous avez cette force, c'est de continuer à cultiver malgré tout l'envie et la joie. Et comment je transforme le négatif d'une situation en positif? Voilà la question. Ok, je ne vois pas mes copains à l'école, mais chouette, je suis à la maison. J'ai plus de temps, peut-être de la grasse mat, je peux plus jouer parce que l'école, c'est un peu moins. Et Déborah a évoqué quelque chose d'assez intéressant, elle a parlé d'hibernation. On a été un peu congelé, si je prends une image. Le monde a été congelé à l'arrêt ou on a été en hibernation. Alors, ça me fait penser à deux... Il y aura peut-être deux histoires à raconter pour vous tous et toutes, les petits et les grands. D'abord, le mot confinement. Vous savez, les mots ne sont pas neutres, les enfants. Nous, en tant que conteurs, on décortique les mots. Ça s'appelle l'étymologie. Et à travers la décortication d'un mot, on est capable peut-être de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue. Parce que depuis tout le temps, on a toujours été confinés. Quand vous restez uniquement à la maison, vous êtes confinés. Quand vous prenez la voiture, vous êtes confinés à l'intérieur de votre véhicule. Confinés, le mot confinement, ça vient du latin cum fines. Ça veut dire être dans un territoire. Je suis limité à un territoire. C'est ça le confinement. Être limité dans un territoire. Et là, c'est intéressant, ça ouvre d'autres perspectives. Et donc, sur être limité dans un territoire, comment on a été hiberné? Alors, ça me fait penser à deux choses qu'on doit évoquer ensemble, ce que vous avez fait, les enfants. D'abord, comment transformer le négatif en positif? Alors, il y a une belle histoire de la sagesse du Nord, des pays scandinaves. Parce que vous savez, là-bas, dans le Nord, l'hiver est très long. Et c'est quoi l'hiver pour les animaux? Pour les animaux qui hibernent, en particulier. Et ça, c'est intéressant. Les animaux qui hibernent, c'est-à-dire ils dorment, ils s'arrêtent, ils ne font plus rien, ils restent dans leur grotte et ils attendent que l'hiver passe. Il y a plein d'animaux qui hibernent. Alors, ce serait intéressant si je vous posais la question, donnez-moi des exemples d'animaux qui hibernent. Et il y en a un qui est extraordinaire, c'est peut-être un des plus beaux animaux. Et vous l'avez tous, quand vous étiez petit, en doudou. Ce n'est pas neutre qu'on ait cet animal en doudou, souvent. L'ours, évidemment. L'ours, oui. L'ours polaire, ça y est, les réponses pleuvent. Pourquoi vous avez l'ours, les enfants, en tant qu'animal doudou? Ce n'est pas neutre. Pourquoi l'ours? L'ours est un symbole extraordinaire, c'est le symbole du sommeil. Alors, vous avez peut-être, je ne sais pas si vos parents vous disent, vous savez, moi, j'adore dormir. Je ne sais pas si vous adorez dormir. Dormir, c'est une sorte de confinement. Tout s'arrête. Et l'ours est un grand dormeur. Et sachez que pourquoi l'ours dort? Alors, il y a une histoire de la Laponie. Je vais vous raconter trois petites histoires liées par rapport au confinement. Pourquoi l'ours dort? Là-bas, en Laponie, on est tout au nord, près du pôle nord. Il fait très froid. L'ours ne dormait pas. Avant que l'ours dort, l'ours était un grand chasseur. C'est un plantigrade. Tiens, c'est intéressant. L'ours a quelque chose en commun avec nous, les humains. Peut-être que vous avez fait des cours de sciences nat. Le plantigrade, c'est des animaux qui sont capables de s'appuyer sur leurs pieds, sur l'ensemble de leurs pieds, toute leur force. Ils posent le pied à plat. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui posent les pieds à plat. Les félins, ils sont sur leurs pattes et ils griffent le sol. Mais l'ours pose ses pieds à plat, c'est un plantigrade. Comme nous les humains, nous sommes des plantigrades. On pose les pieds à plat et ça nous permet de marcher. Donc, les lapons, vous savez, ce sont les habitants du côté, les habitants premiers qui habitent en Scandinavie, la Finlande, vous montez même pratiquement, ils sont assez proches des Esquimaux au Groenland. Là-bas, ils vous racontent cette histoire suivante. Au commencement du temps, quand le monde a été créé,
Vous avez le grand esprit qui aimait circuler pour voir si les animaux vivaient bien. Il adorait les voir. Et un jour, il décide d'aller leur rendre visite en plein hiver. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il y a beaucoup de neige, les marécages sont couverts et il tombe prisonnier d'un marécage, ce grand esprit qui s'est transformé en homme pour voir ce qui se passe. Et donc, il est bloqué, il est prisonnier, il ne peut plus avancer et il appelle à l'aide. Tous les animaux passent, ils ont tous peur de ce personnage. Parce que c'est un bipède, c'est un humain, on ne sait jamais, il peut nous faire du mal, personne ne veut l'aider. Tout le monde passe, sauf l'ours. Quand il voit ce grand esprit représenté sous forme d'humain, bloqué dans les marécages, l'ours débonnaire, joyeux, content, va à sa rencontre. Il le soulève, il le met sur son dos et il le sort du marécage et il lui sauve la vie. Et le grand esprit lui dit, mon ami ours, t'as été le seul à m'aider, alors je vais te faire un cadeau divin. Tu auras le droit de dormir pendant l'hiver. Tu n'iras pas à aller chasser durant cette période dure, parce que c'est dur de chasser l'hiver, on ne trouve rien, c'est la survie. Tous les autres seront dans l'obligation de chasser, mais toi, tu pourras dormir comme tu veux pendant 3 mois, 4 mois. Et c'est depuis ce jour-là que l'ours dort, hiberne. Et dormir est un cadeau. Dormir est une chance, entre guillemets. C'est une joie de pouvoir dormir. Ça ne doit pas être une punition quand on entend souvent les parents dire à l'enfant, si tu ne manges pas, tu vas au lit. Oh, catastrophe! Non, aller au lit, normalement, c'est une chance, c'est une joie, c'est un bonheur. Donc, c'est juste pour vous faire le lien sur le terme d'hibernation qu'a évoqué Déborah à un moment donné. Maintenant, si on évoque l'hibernation, c'est une forme de confinement. Quand les animaux hibernent, ils ne bougent plus. Et là, pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire face à un confinement, il y a une autre belle histoire des terres toujours scandinaves. Et on va aller cette fois-ci chez les Samis. C'est des peuples qui vivent en Finlande, des peuples premiers. Là-bas, il y a très longtemps, au pays d'autrefois, il y avait 3 petits mulots. Alors, est-ce que vous savez ce que sont des mulots, les enfants? Alors, répondez-nous dans la question-réponse. Est-ce que vous savez ce que sont les mulots? Vous pouvez répondre oui ou non. Voilà, exactement. À quoi ça ressemble un mulot? Vous avez dû en voir dans la campagne. Et c'est aussi un animal qui hiberne, le mulot. Ça ressemble? Ah, il y a plein d'enfants qui ne savent pas ce que c'est. Hein. Il y a beaucoup de noms. Ah, il faut donc ce un serait... petit peu. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit que ça ressemble à une souris. Bien, voilà, ça ressemble, c'est vrai. À une souris, à un campagnol. Est-ce qu'ils ont autre chose? En tout cas, aujourd'hui, vous avez la chance, vous, les enfants, avec vos parents, vous disposez de la bibliothèque universelle qui est Internet. Vous avez juste à googliser, taper mulot et vous allez avoir plein d'images de ce qu'est un mulot. Ouais. Mais ça ressemble, voilà, à une sorte de campagnol, de petite souris un peu plus grosse. Mais voilà, souris sauvage, ils vivent dans la campagne. Donc, vous avez 3 frères, 3 mulots. 3 mulots qui vivent ensemble et qui sont heureux d'être ensemble. Mais à chaque fois, ils ont peur quand l'hiver arrive parce qu'il faut préparer l'hiver. Parce que l'hiver, c'est un confinement. L'hiver, tout s'arrête. L'hiver, c'est difficile de faire face au grand froid. Donc, il faut préparer leur grotte. Alors, pendant tout l'été, pendant tout le printemps, que font les mulots? Ils s'activent. Le premier, ils cherchent partout des provisions, des graines, partout pour pouvoir remplir le trou de sa caverne, de sa grotte, de telle sorte que pendant l'hiver, ils auront assez à manger pour ne pas avoir faim pendant les 3 mois, 4 mois d'hibernation parce qu'ils ne pourront pas trouver. Donc, tout l'été, il ne fait que ça. Il court partout pour chercher des graines, des provisions. Le deuxième frère, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche partout de la paille, du terrier, des feuilles, du duvet pour pouvoir apporter de la chaleur, préparer leur petite grotte et être au chaud pendant l'hiver. Et il ne fait que ça durant tout l'été. Le troisième frère, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Et quand je dis rien, pas tout à fait rien. Il se balade, il va aller voir la tortue de l'autre côté du lac et il discute avec la tortue. Il aime aller rencontrer les flamants roses qui traversent et qui migrent et des fois il prend le temps de discuter. Il va aller capter un petit enfant qui joue avec de la flûte. Tous les jours pendant l'été, il n'arrête pas de se balader, de voyager, de partir à la découverte du monde. Et bien sûr, les 2 autres frères sont jaloux en lui disant « Mais tu fais rien, tu prépares rien l'hiver, on va être confiné, on va être bloqué et toi tu t'amuses à aller regarder ces choses insignifiantes alors que nous, on prépare à manger, on va préparer le lit, mais à quoi tu sers? T'as de la chance que tu es notre frère, sinon on t'aurait jeté dehors, on veut pas de toi, tu sers à rien. » Et il se justifie pas le troisième frère, il continue à aller gambader, à aller écouter la rivière qui siffle, à aller écouter le vent qui souffle, à aller voir d'autres petits animaux hein, qui sont en train de jouer, de se faire plaisir durant l'été. Et l'hiver arrive.
la neige tombe. Et il est temps de se confiner. Hiberner, c'est se confiner. Et donc, ils rentrent les trois dans la grotte. Et les trois sont heureux parce que, un, ils ont plein de provisions, donc ils ne peuvent pas mourir de faim. Deux, ils sont dans leur nid douillet parce que le deuxième frère, il a bien tout préparé. Il a apporté tous les duvets, toutes les plumes, toute la paille. Donc, ils sont bien au chaud. Et ils sont heureux. Et les jours passent. Les semaines passent. Toujours à faire la même chose dans leur grotte. Il ne se passe rien. Les jours se ressemblent. Un peu comme nous durant le confinement. Tous les jours, c'est dimanche. On a l'impression que tous les jours, c'est dimanche. Ça se répète. Et à un moment donné, il y a un ennui qui s'installe. Ils commencent à s'ennuyer. Les trois frères. Et là, le troisième frère leur dit ceci. Il commence à leur raconter des histoires. Le troisième frère leur dit alors la rencontre qu'il a faite avec la tortue. Qu'est-ce qu'il a appris de la tortue? L'autre jour, il leur raconte la musique qu'il a entendue jouée par le petit enfant au bord du lac. Ensuite, bien sûr, la rencontre faite avec les flamants roses. Tous les jours, il a le temps de raconter une histoire suite à ses balades qu'il a effectuées durant tout l'été. Et là, les deux autres frères comprennent que le troisième frère a fait quelque chose d'extraordinaire durant l'été. Si le premier frère a récolté toutes les provisions, si le deuxième frère a récolté, lui, tous les éléments utiles pour apporter de la chaleur à la grotte, ils ont compris que le troisième frère n'a pas arrêté de récolter des rayons de soleil pour pouvoir faire face aux gris ternes de la vie de l'hiver. Il a récolté de la joie, des histoires qui leur permettent de passer du bon temps. Eh bien, vous les enfants, c'est ce que nous vous souhaitons lorsqu'on est confiné. C'est toujours récolter des rayons de soleil, récolter une parole qui libère, prendre le temps de discuter avec les uns et les autres pour pouvoir passer ensemble du bon temps. Voilà un autre lien assez intéressant entre le confinement, l'hibernation, et que peut-être, pour terminer cette première approche, on a évoqué la tristesse, mais vous avez évoqué très vite après à côté de la joie. Donc, vous êtes capables, les enfants, de basculer d'un état émotionnel négatif, compliqué, à un état émotionnel. Donc, les émotions, elles sont là, ça bouge dans tous les sens. On peut être heureux, on peut être triste, ça va toujours à une vitesse extrêmement folle. Quand on est capable de faire face, quand on est capable d'absorber les chocs, ça s'appelle, il y a un joli mot, un peu technique, mais que vous allez apprendre. Et vous n'avez même pas besoin de connaître le mot parce que vous le faites de manière naturelle, vous les enfants. Vous êtes beaucoup plus forts que nous les adultes parce que vous ne posez pas de questions. Ça s'appelle la résilience. Être résilient, c'est être capable de supporter les chocs, de ce qui ne va pas. Mais non seulement c'est supporter les chocs quand ça ne va pas, mais surtout être capable malgré tout de trouver toujours de la joie et d'avancer. C'est ça la résilience. Et demain, plus que jamais, on a besoin de ça. Il y a peut-être même un nouveau mot qu'on peut créer. Vous, les enfants, vous créez plein de mots. Moi, je le vois avec ma petite fille, des fois, elle sort des mots qui n'existent pas. C'est génial. Parce que quand on est capable de créer des mots, on est capable de comprendre le réel. Et vous, vous serez peut-être la génération, alors moi, je parle de l'effiliance. Effiliance. Vous prenez le mot résilience, le liance de résilience, parce que dans liance, il y a liant. Il faut se relier aux gens. On a besoin d'être avec les gens. C'est ce qui vous a manqué parce que de ne pas voir les copains, de ne pas aller à l'école, c'est le lien, voilà, la vie, la chair. Et EFI pour efficacité. La vie, c'est la capacité tout de même à faire les choses bien. Efficacité et résilience, ça nous donne effiliance. Et il y a dans la nature, on a beaucoup à apprendre de la nature. Et vous avez cette force, les enfants, quand vous sortez dans le parc, de regarder, d'observer, d'être émerveillé. On pourra y venir sur l'émerveillement. C'est quelque chose d'extrêmement important. Mais si vous regardez la nature, il y a de très grandes leçons que nous donne Dame Nature. Je pense à deux choses. Alors, je suis certain que vos mamans, ou peut-être vous, là je vais parler d'abord pour les filles, vous avez peut-être des bijoux, vous portez peut-être des bijoux. Alors je ne sais pas quel bijou vous préférez parmi les bijoux que vous portez. Alors là, je pose la question aux petites filles ou bien poser la question aux mamans. Quel type de bijoux vous adorez porter? Mais je pense surtout à un collier.
avec un bijou particulier. Parce que ce bijou-là, c'est le symbole même de la résilience. C'est blanc, ça peut être nacré, ça peut être noir, c'est sphérique, c'est très beau. On les trouve surtout dans les îles du Pacifique, du côté de Tahiti, là-bas où on va aller chercher ce fascinant objet. Je parle des perles. Peut-être que vous avez des vraies perles. Alors, des fausses perles en jouet, c'est pas grave. Mais la vraie perle, la perle. Et quand on dit aux enfants, vous êtes des perles, ça veut dire quoi? Quand vous êtes des perles, vous êtes une perle, c'est pour dire que vous êtes... Alors, les enfants, alors il y a Elaya qui veut réagir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on est magnifique et tout, mais moi, je pense plus souvent, vous êtes des perles rares. Vous êtes des perles rares. Les enfants, vous dites quoi, vous? Quand on vous dit vous êtes des perles, ça veut dire... Des perles rares. Exactement. Des perles d'huîtres. Raïm, il y a vraiment quelqu'un qui t'a dit que tu étais une perle d'huîtres? Joli, mais ah, tiens, alors on va rebondir, Raïm, sur l'huître. C'est tout à fait ça, parce que c'est lié, sont liés. Alors, il y a Raïm qui lève la main. Attends, on le prend, on donne la parole. Raïm, explique-nous ça. Raïm, vas-y, on te donne la parole. Sam, tu gères le micro. C'est bon, Raïm, tu peux parler. Tu as juste à brancher ton micro. On t'écoute. Allô C'est pas Raïm qui est là, mais c'est Alikiane. Ah, c'est Alikiane. Coucou, Alikiane. Alors, vas-y, qu'est-ce que c'est que cette histoire, les perles d'huître? Raconte-nous. Tout à l'heure, Malek, il parlait des perles. Et nacrées, les perles des huîtres sont nacrées. Ouais. Elles sont souvent noires et elles sont tout le temps sphériques. D'accord. Ah, donc tu nous décrivais, tu répondais à la question. D'accord, j'ai compris. Bravo. Super, merci Alikiane. On a Julie qui nous dit perle égale belle, Solveig qui nous dit perle égale précieuse, magnifique. Bon voilà, c'est que des choses positives en tout cas. Voilà. Mais alors posons-leur la question, les enfants. Savez-vous comment naissent les perles? Alors est-ce que vous. Raïm, il vient de nous donner un petit. Alikiane, il vient de nous donner un petit indice. On sait où elle naît. Exact. Mais comment? Comment exactement? Non, il n'y a pas trop de réponse là. C'est un peu technique peut-être. Raconte-nous. Eh bien, voilà. Et ça, la perle, vous voyez le produit final, le beau, le juste, ce qui fait plaisir à voir et c'est fascinant. Mais la perle, avant d'être perle, elle est autre chose. Alors là, on va aller dans la tradition perse. Je vais commencer par une histoire et on va comprendre le processus de la résilience. La Perse, aujourd'hui, c'est dans le Moyen. Ah, on a perdu Malek, j'ai l'impression. Bon. Malek, t'es là, pas là? On a un petit souci de connexion. Ah, on a perdu Malek. On va attendre qu'il revienne. Bon, alors moi, je suis complètement incapable de vous dire des comptes. Hein. Ah, voilà, ça y est, super, Malek est à nouveau là. Il faut que tu remettes ton micro, Malek. On t'entend pas. Voilà. Oui. Ça s'appelle un cliffhanger en anglais, les enfants. On vous explique. Les cliffhangers, c'est quand tu sais, on s'apprête à te délivrer une information hyper importante et là, on coupe. Comme dans les séries, à la fin des séries télé que vous regardez, on vous arrête toujours au meilleur moment pour être sûr que vous reveniez. Vas-y, Malek, les perles. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, tout va bien. Super, Déborah. Alors, on va aller du côté de la Perse. C'est comme ça qu'on fait toujours un voyage. On a été dans le nord, près du pôle nord. Là, on va aller du côté de la mer Rouge. Après, essayer de voir dans une carte. Est-ce que je peux partager mon écran? J'ai une carte. Ça va vous permettre de situer. Attendez. Je peux partager ton écran. Et d'ailleurs, il y a plusieurs enfants qui nous demandent si tu vas nous parler de tes aventures polaires. Oui, bien sûr, avec plaisir. On pourra y venir parce que courir dans les pôles, courir dans les déserts, c'est un confinement. On pourra y venir avec joie, les enfants. Je peux même vous présenter des photos à ce sujet-là. Alors, j'essaie de voir si pour le partage de l'écran, ça marche. Est-ce que c'est OK? Ça marche, c'est parfait. Est-ce que vous voyez la carte du monde? Oui, on la voit. D'accord. Bien. Est-ce que vous voyez ma souris qui circule? Ouais, pas très très bien, pour être honnête. Alors, quand on a démarré, quand on était chez les ours, on était ici. Est-ce que vous voyez le point rouge?
Oui, il s'affiche. Il s'affiche, bien. Alors maintenant, nous allons partir par là. Donc, on va aller du côté du Moyen-Orient et on va aller ici. Donc, les terres perses de jadis. D'accord ? Ça marche. Alors, on veut te revoir toi quand même maintenant, pas rester sur la... Très bien. Alors, il faut que j'arrête le partage, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Très bien. Alors, vous avez une goutte d'eau. C'est joli, une goutte d'eau. Quand il pleut, écoutez la mélodie de la pluie qui tombe. Des fois, moi, je sais, avec ma petite fille, on ouvre la fenêtre quand il pleut et on observe la mélodie de la pluie. Tout le bruit qui tombe. Et les gouttes d'eau, on a beaucoup de choses à apprendre des gouttes d'eau. Parce qu'on dit que la pluie, c'est le mariage du ciel et de la terre. Elle s'interféconde. Alors, vous avez une goutte d'eau qui tombe dans la mer. Et quand elle tombe dans la mer, elle dit et elle crie « Oh mer !» Parce que la mer, elle est immense, je suis rien. Devant l'immensité, devant la vastitude, devant tes profondeurs, je ne compte pas, je ne suis rien. Et cette goutte d'eau qui est tombée dans la mer, elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe, et elle arrive dans un coquillage. Et elle est accueillie par un coquillage au fond de la mer. Le coquillage se referme et le coquillage nourrit la goutte d'eau douce qui n'est pas salée. Elle la nourrit, elle la protège, elle la chérit et la goutte se transforme progressivement en une perle. Perle qui va devenir belle, magnifique et qui va se retrouver dans la couronne d'une des plus grandes reines qui n'ait jamais existé ici-bas sur Terre, la plus belle reine, la reine de Saba. Balkis, la reine de Saba. Il y a de très belles histoires à raconter sur Balkis, peut-être on pourra en raconter. Tout ça pour montrer que vivifiante, unique, singulière, précieuse, une petite goutte d'eau qui ne servait à rien, qui devient une des plus belles perles au monde, parce qu'elle s'est affirmée néant. Autrement dit, la création d'une perle, ça naît d'un processus, on dit, d'autodéfense de l'huître, comme ça a été évoqué par Ali Khan. La perle, c'est un processus d'autodéfense face à un agresseur petit, qui est une goutte ou une graine, mais sérieux, c'est un véritable adversaire pour le coquillage. Donc, il se défend, le coquillage, il se protège et à l'intérieur, avec ses enzymes, il va travailler la goutte d'eau et elle va se transformer en perle. Autrement dit, la perle naît d'un... C'est une blessure. Sans blessure du coquillage, il n'y a pas de perle. Et la vie est faite de blessures. Autrement dit, derrière la blessure qu'on peut avoir tous, la tristesse, la peur, souvent derrière la blessure, il y a une ouverture. Souvent, la blessure amène à quelque chose de beaucoup plus beau. On est dans des processus de transformation. On est dans de la métamorphose. Et ce qu'on attend de nous tous, ce qu'on attend de vous quand vous allez grandir, les enfants, c'est d'être capable d'être toujours dans des transformations, dans des métamorphoses. Transformer ce qui ne va pas, toujours en positif. C'est ce que fait la perle. La perle, c'est une transformation d'un grain insignifiant en perle. Et on peut trouver plein d'exemples dans la nature comme ça. Et alors, on a justement eu beaucoup de partages d'enfants. Merci Bayam de nous avoir partagé ce sondage parce que c'est d'abord, c'est extrêmement touchant de voir vos... de voir ce que les enfants ont répondu. Et dans ce sondage, ouais, c'est vraiment très beau. Et en fait, il y avait les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes qui étaient aussi liées aux émotions que vous aviez ressenties. Tout à fait. Comment ? Et du coup, pardon, je crois que tu m'as dit un truc. Et ce qu'on voit, c'est que vous avez tous un petit peu changé de rôle, d'ailleurs, au sein de la famille. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu ce que disait Malek, la sidération, éventuellement le choc, la tristesse. Uh-huh. Et puis, dans ce sondage, on vous a demandé qu'est-ce qui était devenu une bonne habitude, qu'est-ce que vous aviez développé en fait comme bonne habitude. Et en fait, vous parlez d'un tas de choses extraordinaires. Vous dites plus de temps avec mes parents. Vous dites, par exemple, dormir tard, se promener. Ça, c'était des choses pour vous. Mais vous parlez aussi du nouveau rôle que vous avez tenu dans la maison. Finalement, c'est un peu comment vous vous êtes transformé. Vous avez plus rangé votre chambre globalement, ce que vous dites. Superbe. Vous êtes moins chamaillé entre vous. Vous avez été un peu plus autonome. Vous êtes responsabilisé. Vous avez changé votre façon de vous nourrir aussi, par exemple. Vous êtes organisé tout seul pour faire vos devoirs. Enfin, voilà, vous avez changé de rôle. Donc, Malek, c'est un peu de l'alchimie, finalement. C'est-à-dire qu'on transforme un peu le plomb en or. Est-ce que les enfants, vous savez ce que c'est l'alchimie ? Répondez-nous dans le question-réponse.
Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot d'alchimie? Peut-être que Malek, tu auras un conte à nous partager, un conte alchimique ou bien un conte à propos d'un alchimiste, je ne sais pas. Christelle, elle ne sait pas ce que c'est l'alchimie. Juliette non plus. Maya, elle sait. Elaya, elle sait. Raïm, il ne sait pas. OK? Fanny, elle sait. Bon, voilà, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Malek, parle-nous de ce... Qu'est-ce que c'est qu'un processus alchimique? Qu'est-ce que c'est que cette transformation? Alors, c'est intéressant parce que l'alchimie, on est tous plus ou moins... Vous êtes tous des alchimistes en puissance parce que la vie, c'est que ça. L'alchimie, c'est la... Alors, à l'époque, ça date surtout du Moyen-Âge, il y avait un grand rêve. Les alchimistes du Moyen-Âge, ils avaient un grand rêve. C'était de transformer le plomb en or. Voilà la base de l'alchimie, de trouver la pierre magique qui va permettre de transformer l'insignifiant, n'importe quel objet que vous prenez, on le met dans une substance et ça se transforme en or. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Là, on est un peu comme les contes. Vous savez, quand on est conteur, on est des alchimistes des mots. Parce que notre rôle, c'est de faire advenir les murmures du temps présent, ce qu'on ne voit pas. L'alchimie et tous les contes, toutes les histoires sont dans l'alchimie, dans cette capacité, un peu comme les orpailleurs. Voilà, les alchimistes, on est des orpailleurs. Voilà une autre image. Vous savez ce que c'est un orpailleur? Vous avez déjà dû voir dans les films western, les gens qui vont chercher de l'or dans les rivières, ils ont un bac, ils sont dans la boue, ils travaillent avec leur bac, ils enlèvent la boue, ils enlèvent l'eau, et à travers les pierres qui sont à l'intérieur, ils essayent de trouver des petites pépites d'or, des orpailleurs. Et l'alchimie, c'est ça, c'est la capacité à dégager le subtil de l'épais, à dégager le clair de l'opaque, à dégager le précieux, ce qui est beau, de l'ordinaire, peut-être de ce qui n'est pas beau, bref, à aller chercher, et dans la vie c'est ça, à aller chercher ce que vous êtes, vous les enfants, les êtres, et non pas le paraître, le faire. On est un peu des orpailleurs, on est un peu des jardiniers. Un jardinier, c'est un alchimiste. Un paysan, c'est un alchimiste. Il part d'une graine, on ne sait pas ce que la graine va devenir, et la graine va se transformer, se métamorphoser, et ça peut donner les plus belles plantes, ça peut donner les plus beaux légumes. Tout est un peu alchimie dans la vie, dans cette capacité à être dans des transformations joyeuses et positives. Et c'est donc une question un peu d'état d'esprit. Et donc l'alchimie aujourd'hui, elle est fondamentale. Parce que c'est d'aller chercher ce qui ne se voit pas. Et quand vous prenez les contes, racontez des histoires, on est un peu des alchimistes des temps modernes. Parce qu'un conte est à la fois euphémisant. Alors euphémisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va essayer de démontrer que les vrais problèmes, ce n'est pas des vrais problèmes. Tout peut être résolu de manière extrêmement simple par rapport à la tristesse que vous évoquez. Donc on va euphémiser ce qui ne va pas et on va euphoriser, on va essayer d'augmenter les doses de joie. On est dans l'euphémisation et dans l'euphorisation à la fois. Les contes, il y a un peu de cette magie-là. Et ça, c'est ça qui est beau avec la vie, dans cette capacité à voir ce qui ne se voit pas. Par exemple, il y a un conte qui est assez intéressant, que vous connaissez tous. Vous avez tous... Alors, je ne sais pas si vous avez lu la vraie histoire, parce que la plupart des contes ont été transformés par Walt Disney. Alors, vous connaissez la machine à rêver. Les Disney, les dessins animés Disney, ils ont repris la plupart, les grandes histoires que vous connaissez, que vous avez dû voir. Souvent, c'est inspiré des frères Grimm, au XVIIIe siècle, qui ont collecté plein d'histoires. Pour montrer que l'alchimie, c'est la capacité à aller chercher ce qui ne se voit pas. Prenons par exemple le conte Blanche-Neige. Vous connaissez? Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est... Ah, peut-être... Est-ce que vous connaissez Blanche-Neige quand même, les enfants? Parce qu'il y a eu tellement d'autres contes depuis. Oui, vous connaissez quand même. Hein. Oui, quand même. Alors, il y a eu les derniers. Vaiana, c'est aussi un conte assez intéressant. Allez comprendre, Vaiana. Allez chercher ce qui ne se dit pas. Vous avez vu l'histoire de Vaiana, mais après, on pourra y revenir. Il y a d'autres choses à comprendre. Dans Blanche-Neige, il y a un passage le plus important dans Blanche-Neige. C'est le début. Alors, on va rappeler l'histoire de Blanche-Neige avec les sept nains, avec la marâtre. Mais le début, c'est la maman de Blanche-Neige qui est importante. Alors, on la voit très peu dans le dessin animé. La maman. Qu'est-ce qu'elle dit, la maman, lorsqu'elle est au bord de la fenêtre et elle regarde la neige? Et la neige la fascine. Et elle dit à un moment donné, la maman, elle est une alchimiste, la maman de Blanche-Neige. Ça, vous ne le voyez pas, parce que ça va très vite. Et donc, ce que je vais vous montrer,
La vie, c'est ça. Quand on est alchimiste, vous allez apprendre deux mots, peut-être particuliers, même pour les adultes. C'est passer être alchimiste, donc c'est transformer le négatif en positif, mais c'est surtout, et là je vais vous raconter l'histoire de la maman de Blanche-Neige, comment on bascule, qu'est-ce que vous lisez de la semblance, semblance, la semblance, ça vient de semblant, la semblance, comment on bascule de la semblance à un autre mot qu'on a perdu. Mais les alchimistes du Moyen-Âge, eux, ils travaillaient là-dessus, et on a un peu ça, de la semblance à la sénéfiance. C'est quoi ce gros mot ? Sénéfiance. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ce mot-là. Même les adultes, je vous rassure, les enfants. La sénéfiance. Ah comment... oui, il est compliqué là. Oui, mais ce n'est pas grave, parce que la vie, elle n'est pas toujours simple, elle est aussi compliquée, et le but, c'est de transformer le compliqué en simple. Et ça, c'est de l'alchimie. Et la maman de Blanche-Neige, elle fait ça. Elle transforme la semblance en sénéfiance. La semblance, c'est ce qui paraît évident, ce que vous voyez là maintenant. Mais ce que vous voyez là maintenant, est-ce que c'est vraiment le vrai ? Est-ce que c'est vraiment le faux ? Est-ce qu'il ne faut pas aller regarder de l'autre côté du miroir, ce qui se passe un peu avec Blanche-Neige, qu'on veut regarder de l'autre côté du miroir pour essayer de comprendre ce qui ne se dit pas, ce qui est caché, ce qu'on n'est pas capable de percevoir maintenant, ça s'appelle la sénéfiance. Et quand la maman de Blanche-Neige dit ceci au début de l'histoire, elle est sur la fenêtre en plus on nous la décrit, un cadre noir, noir profond, un noir vraiment fécond. Elle regarde la neige qui tombe, tout est blanc. Elle met sa main à un moment donné sur le bord de la fenêtre. Il y a une écharpe. Elle se pique le doigt. Une goutte de sang tombe sur la neige. Et on voit du rouge sur la neige. Et là, la maman de Blanche-Neige dit « Ah, j'aimerais avoir un enfant aussi blanche que la neige. » Des cheveux aussi noirs que le bord de la fenêtre et des lèvres aussi rouges que le sang. Voilà ce qu'elle dit. Et elle va donner naissance, d'où le nom, à une fille avec des cheveux noirs profonds, avec des lèvres aussi rouges que le sang et une peau blanche comme la neige. Blanche neige. Donc là, c'est le début de l'histoire. Ça, ça s'appelle la semblance. Voilà ce que vous voyez. Et après, vous avez l'histoire. Nous, les conteurs, on ne s'arrête pas à ça. On va aller voir la sénéfiance. À l'envers. Là, excuse-moi. On va aller voir ça. À savoir, la maman de Blanche-Neige donne trois couleurs, les trois couleurs qui ont toujours existé depuis la nuit des temps. Le blanc, le noir, et le rouge. Ces trois couleurs, elles existent depuis que l'homme est homme. Les autres couleurs n'existent pas. Vous, vous connaissez maintenant plein de couleurs. Et si je vous dis quelle est votre couleur favorite, à vous les enfants, je suis certain, dans une majorité des cas, je connais la couleur que vous allez dire. Alors, on va poser la question. Les enfants, c'est quoi votre couleur préférée ? Alors, je vais dans la question-réponse. Normalement, ce qui ressort souvent... On va faire mentaliste, alors. Voilà, essayons, normalement. Alors, bleu, bleu, noir, blanc, tout. Ah bah oui, tout, Iseline. Tout. T'as raison, violet. Ah, c'est très éclectique. Très... Maintenant que t'as dit que t'allais trouver la réponse, forcément. Bah oui. Orange. Et Laïa, c'est quoi ta couleur préférée ? Noir. Noir. Noir, bien. Violet, pastel. Il faut être précis. Violet, pastel. Et quelqu'un me répond, il y a longtemps que j'ai plus de couleur préférée. Alors vas-y, tu avais misé sur quoi ton mollet ? Moi, j'avais misé normalement... Sur le bleu. Sur le bleu. C'est ce qui revient assez souvent en couleur préférée dans la vie de tous les jours, le bleu. Or, le bleu n'existait pas. C'est une couleur qui était détestée jusqu'au 16e, 17e siècle. Ces années 1600-1700, où il y aura une bascule. Le bleu, c'était la couleur de la malchance, c'était la couleur du malheur.
qui avait des yeux bleus, alerte. Alors, c'est intéressant. Et donc, quand Blanche-Neige nous dit blanc, noir et rouge, vous avez parlé d'alchimie. Alors, l'alchimie, la sénéfiance des trois couleurs, ça veut dire quoi? Là, il y a une signification particulière. Blanc, noir et rouge. Là, je vais utiliser des termes latins parce que ça donne la force des alchimistes qui raisonnaient en latin, une langue qu'on a perdue. Albédo pour le blanc, nigredo pour le noir, rubédo pour le rouge. Albédo, nigredo, rubédo. Le blanc, clarté. Le noir, obscurité. Le rouge, éternité. Le blanc, savoir. Le noir, l'ignorance. Le rouge, salut. Et elle demande à sa fille de pouvoir posséder ces trois qualités-là. Et là, on est dans l'alchimie cachée. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire qu'on nous raconte, c'est l'histoire d'une enfant qui a la peau blanche, les cheveux noirs et les lèvres rouges, mais qu'en fait, derrière, il y a plein de symboles et plein de messages. Exactement. En fait, elle projette finalement, cette maman, elle projette sur son enfant toutes les qualités qu'elle aimerait. Tout à fait. Et quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. D'accord, ok. Alors, donc, ce qui veut dire, tiens, alors, ça me fait penser, si tu permets, je vais raconter une histoire. Ah bah oui, à fond. On est là. Une autre histoire où on va aller, et là, je vais vous poser une question, les enfants, pour montrer encore cette notion de sénéfiance. Qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qui n'est pas visible? Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce qui m'est donné de voir? Qu'est-ce qui m'est caché de voir? Et la vie, on est toujours dans ce double jeu. Alors, on va aller cette fois-ci du côté du Tibet. On va aller un peu en Asie, pas loin de la Chine. On va changer d'univers pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire. Là-bas, on va être au début du siècle, c'est-à-dire que ce n'est pas maintenant, ça s'est passé il y a à peu près 200 ans en arrière. Donc, il y a 200 ans, l'électricité, ça n'existe pas. Voilà, je vais donner les sauts. Les téléphones portables, ça n'existe pas. Internet, là, ça n'existe pas. Une époque où ça n'existait pas. Je sais que c'est difficile à croire. Voilà, tout ça, ça n'existe pas. Ils vivent à la lueur des bougies pour s'éclairer la nuit. Et ils vivent de manière extrêmement simple. Même les lits, là-bas, ça n'existe pas. On dormait à même le sol pour être connecté à la terre. Parce qu'on avait peur des lits. Les lits, on est déconnecté du sol. Le lit, ça vient du grec cliné. Hein. Ça donnait le mot clinique. Ça sous-entend un peu la maladie, la mort. On ne veut pas de lit à l'époque. On n'en voulait pas. On veut dormir à même le sol. Donc là-bas, vous avez un paysan. Voilà un beau métier. Ce sont des alchimistes de la terre, les paysans. Un paysan marié, une belle épouse, trois enfants, des garçons et une fille. Mais ils sont pauvres, très pauvres. La vie est dure parce qu'il faut travailler la terre et la terre, c'est ingrat. La terre, c'est compliqué. Il n'y a aucune certitude. Les saisons peuvent se suivre, mais il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des temps compliqués qui fait que la terre ne peut pas pousser. C'est pour ça aussi les paysans, ce sont des alchimistes. Ils sont capables de lire les signaux de la nature et de transformer ce qui peut advenir, ce qui peut pousser. Et donc, la terre est tellement dure et compliquée, mais il garde courage. Il ne baisse jamais les bras. Il essaie tout de même d'avancer. Alors, une année, il a fait une année exceptionnelle, il est heureux. Et il se dit, tiens, dans la capitale du pays, à Katmandou, il y a un grand marché, ça s'appelle une grande foire. Et il se dit, pour une fois, j'ai récolté des pommes de terre, des haricots, des oignons, au lieu de les garder, je vais aller les vendre pour pouvoir acheter des choses exceptionnelles à mes enfants et à mon épouse. Mais le voyage est long. De chez lui, où il habite au fin fond du pays, dans des collines, dans une petite vallée entourée de montagnes, il doit traverser pendant 8 jours le pays pour arriver dans la grande ville. Mais il aimerait bien vendre sa nouvelle production pour pouvoir un peu changer d'ordinaire. Donc, il prévient son épouse et ses enfants qu'il va partir avec ce qu'il a récolté, à peu près une 50aine de kilos. Il a sa mule, un âne, il charge l'âne, un cajot, et il part. Et il va au marché.
Donc, on est au début du siècle, dans les années 1850 là-bas. Il traverse, le voyage se passe très bien. Et quand il arrive au marché, bien sûr, tous les marchands du monde, en tout cas en Asie, sont là, ils sont tous là. Tout le monde pose à même le sol leur production. Ils vendent des bibelots. Les bibelots, c'est des petits objets de décoration pour la maison. Il y a des tailleurs, des sculpteurs qui vendent des jouets en forme de bois. Bref, tout le monde est là. Chacun expose, pose leurs produits. Et lui, bien sûr, il a pu réserver une place et il pose ses pommes de terre, ses haricots, ses oignons. Et il est content parce qu'il rencontre des gens qu'il n'a pas l'habitude de voir. À cette époque-là, les gens se font confiance. Ils aiment être ensemble. Il n'y a pas de vol, ça n'existe pas. Donc, il se dit que, avant de commencer à vendre, il faut qu'il trouve des idées. Qu'est-ce que je vais acheter pour mon épouse et pour mes enfants, mes deux garçons et ma fille. Alors, il laisse ses pommes de terre, il laisse ses haricots, il laisse ses oignons. Et il circule dans ce marché à ciel ouvert. Et il regarde à droite, à gauche, les différents objets. Il a vu, tiens, un petit cheval sculpté. Génial, ça peut être bien pour mon petit-fils. Il a vu deux, trois petits bijoux pour ses enfants. Superbe. Il commence à voir qu'est-ce qu'il pourrait acheter et combien d'argent il a besoin. Comment il va vendre ses produits. Donc, il circule. On dit, il déambule. Il regarde à droite, à gauche. Il est heureux de voir des choses qu'il n'a jamais vues. Et surtout, là, il découvre, après des produits qu'il n'a jamais goûtés, du sel, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas goûté de sel chez eux, parce qu'ils vivent très loin, éloignés. Ils voient du sucre. Oh, pour mes enfants, le sucre, ce serait beau. Du miel, faut que j'achète ça, du sucre, du miel. À cette époque, le sucre, le miel et le sel, c'était les objets les plus importants. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Donc, il se dit, je vais acheter tout ça. Alors, il revient dans son étal, là où il a exposé ses produits. Et quand il revient, il passe par un autre chemin. Et là, il est interpellé par un objet brillant, il va voir un autre marchand, et il vend des choses bizarres, ce gars-là. Et tout à coup, il se penche, et là, il n'en revient pas. Il voit son papa, une photo de son père, qui est décédé, qui est mort il y a très longtemps. Incroyable, papa qui est là. Comment c'est possible ? Il a les larmes aux yeux parce que ça lui évoque son enfance, quand il avait 5 ans, quand il avait 10 ans. Ça fait tellement longtemps qu'il avait un peu oublié son papa. Et il voit son père là, à Katmandou, au marché. Mais comment c'est possible? Mais comment? Mais monsieur, comment vous avez papa là? C'est pas possible, c'est mon papa. Et le monsieur lui dit, c'est la magie de la vie. Si vous êtes venu là, c'est pour retrouver votre papa. Donc, c'est un paysan, il ne connaît pas les choses de la vie. Il ne sait pas ce que c'est, mais quand il prend l'objet, il est heureux. Il faut que je l'achète. C'est à moi, c'est pour moi, c'est mon papa, c'est à moi. Je vous l'achète, dit-il. Et là, le vendeur lui dit, c'est cher. Vous n'achetez pas votre papa. Vous achetez votre histoire. Vous achetez vos souvenirs. Vous achetez un passé. Et vous achetez peut-être un avenir. Est-ce que vous avez assez d'argent pour acheter là, l'objet de votre papa? Alors il leur dit, venez voir, j'ai des pommes de terre, j'ai des haricots, hein, j'ai des oignons, venez. Et donc le marchand le suit. Et quand il voit la qualité des produits, pommes de terre, les oignons, haricots, c'est 50 kilos, il lui dit, je suis prêt à te donner le papa que tu tiens là dans ta main contre toute ta production. Le paysan, il accepte, c'est papa, ça n'a pas de prix. Il donne tout. Et donc, au bout d'une journée, même pas, il a tout vendu, il a tout donné, et il garde l'objet de papa. Il est heureux, il est joyeux, ouah, ça lui évoque plein de souvenirs. Et donc, comme il n'a plus rien, il rentre chez lui. 8 jours pour retraverser. Mais quand il rentre, au fur et à mesure qu'il approche de la maison, il commence à avoir des regrets. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? 1 an de travail, 1 an pour avoir cette belle production, et j'ai pensé qu'à moi. Tout pour moi. J'ai rien amené pour maman, j'ai rien amené pour mes enfants. Qu'est-ce que je vais leur dire? Il a honte, il ne sait pas quoi leur dire. Alors qu'il est en même temps heureux parce que il est triste et heureux. Triste de ne pas amener de cadeau, mais heureux parce que il a avec lui papa, ça faisait longtemps. Alors il essaye de réfléchir, qu'est-ce que je peux dire à mes enfants
qu'est-ce que je peux dire à mon épouse ? Et quand il arrive enfin chez lui, il a trouvé une excuse. Bon, c'est un mensonge pieux, c'est pas bien, mais allez, je ne vais pas leur faire de mal, j'ai trouvé l'excuse, qu'est-ce que je vais leur dire ? Et quand il arrive, les enfants sont heureux, madame est heureuse, ça faisait 15 jours qu'il n'était pas là, il est déjà revenu, il pensait qu'il allait rester plus longtemps. Oui, voilà, c'est super bien passé, c'est une belle découverte, j'ai fait de belles rencontres. Bravo, tu as tout vendu, tu n'as plus rien. L'âne batté, il n'y a plus rien, le chariot, il est vide. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené, papa, de là-bas ? Et là, il leur dit, vous savez, là-bas, j'ai rencontré des gens encore plus pauvres que nous. Ils n'avaient rien. Dans la vie, il faut être généreux. Il faut être solidaire. Alors, j'ai fait confiance. J'ai tout donné, j'ai tout vendu par avance. Ils n'avaient pas assez d'argent. Mais ils m'ont dit que dans 6 mois, ils allaient me payer. Donc, dans 6 mois, je retourne et je vais récupérer l'argent. Et bien sûr, je viendrai avec des cadeaux. Alors, bien sûr, madame est heureuse. Les enfants sont fiers de papa qui a osé donner aux gens qui n'ont rien. Et lui, dans sa tête, il se dit, je vais travailler 2 fois, 3 fois plus pendant les 6 mois pour pouvoir amener plus de produits. Au lieu d'amener 50 kilos, je vais amener 100 kilos, ce qui va me permettre de rattraper le plaisir que je me suis fait. Et donc, chaque matin, il a décidé d'explorer des nouveaux champs. Il va labourer des nouveaux territoires qu'il n'avait pas l'habitude, c'est dur. Mais chaque matin, quand il part, il regarde la photo, il regarde en tout cas son père, et il a posé l'objet sous son matelas. Il dort sous la paillasse, plutôt, il dort à même le sol, sous la paillasse. Et quand il se lève le matin, il regarde l'objet. Ça lui donne du courage. Il voit son père, il est heureux. Et il part, heureux. Et au lieu de faire 6 heures de travail, il part à 4 heures du matin. Il rentre à 20 heures, très tard le soir. D'habitude, il rentre à midi. Mais il faut qu'il travaille 2 fois plus pour pouvoir avoir plus de produits et mieux vendre. Et tous les jours, il ne fait que ça. Aucune lamentation. Il ne se plaint jamais. Les enfants sont fiers de voir le courage de leur père. La mère aussi est fière. Mais à un moment donné, la mère se pose des questions. C'est bizarre. Il a changé. Il n'est plus comme avant. Toujours heureux. Toujours joyeux. Plus de lamentation. Il bosse 2 fois plus. Il n'est pas fatigué. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, elle décide de le regarder un peu plus. Et elle remarque le matin, quand il se lève, chaque fois, il enlève la paillasse et il regarde l'objet. Il a un large sourire et il repart. Et avant de dormir, il a toujours le réflexe de regarder l'objet pour lui et il remet dans la paillasse et il dort tranquillement. Alors un matin, quand il se lève, il regarde l'objet et il part. Madame se lève et elle regarde, elle aussi. Qu'est-ce qu'il regarde depuis plusieurs mois, chaque matin et chaque soir ? Ça l'intrigue et elle voit l'objet aussi. Très bien, et la journée passe. Quand papa rentre le soir, madame l'attend. Et quand il rentre, il n'a même pas eu le temps de rentrer, madame lui dit, c'est une honte, je savais, je ne pouvais pas te faire confiance. Depuis tout ce temps, depuis que tu es parti, tu as changé. Maintenant, je sais pourquoi, parce que tu aimes une autre femme. J'ai vu ton manège, chaque matin et chaque soir, tu regardes cette femme que je ne connais pas. Comment tu peux me tromper, moi, ton épouse, depuis tout ce temps-là ? Et lui, il dit, de quoi tu parles ? Mais si, j'ai vu la femme, là, dans la chambre. Mais pas du tout. Mais de quoi tu parles ? Mais si, chaque matin, mais non, c'est pas ta femme, c'est mon père. Mais pas du tout, c'est pas ton père. J'ai vu, c'est une femme, elle jette la chaise, les enfants crient, ils n'en peuvent plus. Tout le monde ne comprend rien, c'est des disputes qui ne se sont jamais disputées. Les cris alertent les gens du voisinage et il y a une colonne de moines bouddhistes qui passent. Et ils ne comprennent pas d'habitude, quand ils passent le soir, c'est calme, ils sont heureux. Alors le chef bouddhiste arrive en disant, mais donc il est voilà, chauve, il a sa tenue orange. Mais qu'est-ce qui se passe, vous qui, d'habitude, vivez en totale harmonie, en totale joie, en totale communion ? Pourquoi autant de cris ? Pourquoi autant de colère ? Pourquoi autant de rancœur ? Madame en pleure, voilà, il aime quelqu'un d'autre depuis qu'il est parti au marché. Et le père dit, mais pas du tout ! C'est mon père qui est là dans la chambre. Alors le moine dit, attendez, je vais aller voir. Et il va aller voir, c'est où ? Sous la paillasse. Le moine y va, il regarde, et quand il revient, il rigole, il fait, mais madame, votre mari est un saint. Il adore un moine, il adore un chef. Moine, c'est quelqu'un de pieux, respectez-le. Et il part. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tiens, je vous pose la question, les enfants. Qu'est-ce que vous comprenez à l'histoire ? Et alors, là... Alors, il y a Elaya qui réagit, vas-y. Parce que la femme, au départ, elle était contente, mais elle a vu que quelque chose n'allait pas, qu'il avait complètement changé.
Et du coup, elle se demande ce qui se passe. Donc, elle va inspecter, elle va faire un peu comme une enquête, une sorte d'enquête. Ouais. Elle va découvrir la photo, sauf que comme elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, à mon avis, elle a vu quelque chose qui lui faisait très peur. Elle a vu une chose qui lui faisait peur, mais c'était pas du tout ça. Alors, elle a vu une femme à la place du père. Donc ça, il y a Caroline qui nous dit que c'est un miroir. Elle connaît l'histoire, c'est ça? Est-ce qu'elle connaissait? Est-ce que Caroline, tu as spoilé la fin de cette histoire? Bravo Caroline. Bravo Caro. Effectivement, je vous ai dit qu'on est au début du siècle. Quand il va au marché, le paysan, il ne sait pas ce qu'est un miroir. Il n'a jamais vu. Ils sont très pauvres. Et quand il arrive au marché, il voit ce marchand qui vaut des morceaux de verre, des morceaux de miroir. Et quand il prend le morceau de verre, ce miroir, il voit quoi? Il voit son reflet. Il ne s'est jamais vu. Mais avec l'âge, il ressemble à son papa. Donc, il voit son père, alors que c'est lui. Mais pour lui, il voit son père et il est heureux. Et quand madame découvre le manège, son épouse, elle qui ne s'est jamais vue, ils n'ont pas de miroir, ils ne savent pas à quoi il ressemble. Lorsqu'elle va voir l'objet qui est un miroir, elle voit une femme. C'est elle, mais elle ne le sait pas. Elle se dit, c'est quelqu'un d'autre. Et quand le chef bouddhiste, le moine bouddhiste arrive pour dire qu'est-ce qui se passe, quand il regarde, il ne sait pas ce que c'est aussi un miroir. Il voit aussi, il voit son reflet, mais c'est un moine bouddhiste, donc c'est un pieu, c'est quelqu'un de bien. Alors cette histoire nous montre quoi? On est dans l'alchimie. Pour comprendre le monde, les enfants, chacun a son propre miroir. On a tous un miroir pour comprendre notre monde. On aime regarder ce qui nous rassure. Or, la vie, c'est des fois de tourner le miroir et de confronter mon miroir avec les autres pour pouvoir aller comprendre le réel. Alors, Malek, je veux rebondir sur des choses que tu as partagées. C'est une histoire magnifique. Merci, on a des réactions de tout le monde. Tout le monde nous dit c'est magnifique, c'est génial, c'est puissant. On est content que ça vous plaise. Moi, j'ai envie de reboucler. Alors, j'entends cette idée de retourner le miroir d'ouvrir au monde comme ça. Ah. Je voudrais rebondir dans cette histoire avec une chose que les enfants nous ont partagée. C'est le cadeau, en fait, que lui fait le marchand en lui disant « c'est ton père que tu vas voir ». Il y a beaucoup d'enfants qui nous ont partagé, là, dans les sondages, ceux qui nous ont envoyé des informations en prévision de cette conférence, ils m'ont dit que pendant le confinement, il y avait une chose qui avait été très difficile pour eux, c'est qu'ils ont eu peur de la mort de leurs grands-parents. Ils ont eu peur, en fait, que leurs grands-parents meurent pendant le confinement. Et donc, je voudrais t'emmener sur deux choses là-dessus. Je voudrais d'abord qu'on parle de la peur et donc du mental, puisque toi, tu es quand même ultra-marathonien. Il y a des enfants qui nous ont demandé que tu nous partages aussi cet aspect de toi. Et il y a des choses comme l'endurance, c'est-à-dire la capacité à durer dans le temps, à préserver ses forces, à les utiliser de façon utile, efficace, lucide, etc. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles comment on peut avoir ce mental-là de surmonter sa peur, etc. Et puis, il y a un autre sujet, c'est que pendant, et alors tu le fais dans l'ordre que tu veux, mais pendant le confinement, il s'est aussi passé quelque chose. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui nous ont parlé du fait qu'ils ont beaucoup mis les mains dans la terre. Alors, ceux qui avaient la chance d'habiter à proximité d'une forêt, qui habitaient en province ou qui avaient un petit jardin. Et donc, il y a eu aussi ce moment-là de renouer un peu avec la nature. On a vu aussi pendant le confinement des animaux qui rentraient dans les villes. On a vu des sangliers, on a vu des cerfs, on a vu des canards, on a vu… et donc, ça a à la fois été un moment où on s'est reconnecté en fait quelque part à la nature et en même temps où chacun s'est peut-être reconnecté à sa nature profonde, c'est-à-dire a dû aussi surmonter, faire face aux peurs qui étaient les siennes. Alors ma question c'est, est-ce que ça t'évoque un conte? Alors je vois qu'il est 11h35, donc il va nous rester à peu près un quart d'heure et on n'a pas encore vu le dessin d'Olivier. Mais est-ce que cette idée de se dépasser, d'avoir un mental particulier, t'évoque un conte? Et toi, vu que tu as été dans des zones sur la Terre qui étaient complètement incroyables, comment peut-être tu as puisé dans la nature? Comment tu t'es reconnecté à cette nature pour aller de l'avant, pour te placer justement dans cette ouverture au reste du monde? Ah, c'est des questions qui sont vastes, chère Déborah, chers enfants. Parce que vous touchez à quelque chose d'extrêmement subtil, d'extrêmement sublime et infime à la fois. La capacité à faire face, la capacité à tenir et à se tenir. Je crois que la vie, elle est là. Alors, je vais partir. Tiens, je vais partager l'écran, je vais vous présenter des choses sur l'ultra-marathon des extrêmes.
Et de là, après, peut-être, je vais essayer de terminer avec une histoire qui va faire le lien avec. Vous allez évoquer la peur. La peur, c'est normal d'avoir peur. Heureusement qu'on a peur. Parce que peur, c'est vibrer. Avoir peur, c'est être vigilant. La peur te dit, fais gaffe. Fais attention. On est en alerte quand on a peur. Il ne faut pas qu'il y ait trop de peur. Parce que quand il y a trop de peur, c'est la paralysie. On s'arrête. Peut-être vous connaissez la peur de jouer, la pression. On est tétanisé. Quand il y a trop de peur, alerte. Mais il faut qu'il y ait un minimum de peur pour pouvoir avancer. Dans la tradition berbère, parce que je suis d'origine berbère, de Kabylie, on dit que entre le courage et la peur, il y a un rendez-vous secret. Sans peur, il n'y a pas de courage. Toujours. Avoir peur, c'est normal. Mais il faut accueillir. Il faut écouter sa peur. Et ensuite, faire face, affronter le danger, l'inconnu. Moi, en tout cas, la peur, j'ai appris à l'écouter à travers ma pratique d'ultra-marathon de l'extrême. Et ça veut dire quoi? Alors, je vais plutôt vous présenter des éléments beaucoup plus concrets ou visuels. Est-ce que vous voyez? L'ultra-marathon des extrêmes, alors les enfants, c'est un sport particulier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le marathon, ces tendances, hein, c'est dans les villes qu'on court les marathons. On court à peu près, un marathon c'est 42 km. 42 km en termes de distance, ça pourrait... Alors c'est vrai, moi je suis natif d'Alsace, j'aurais pu vous dire ça va de Mulhouse jusqu'à Colmar par exemple. En région parisienne, 42 km, ce serait quoi de Paris jusqu'où? Demandez à vos parents ce que ça fait 42 km. Mais nous les ultramarathoniens, on ne court pas 42 km, on va au-delà. On court minimum entre 500 km. Et on peut aller jusqu'à 1000, 2000, voire 3000 kilomètres. Autrement dit, j'ai déjà traversé la France en courant, nord-sud, est-ouest. On traverse tout en courant. Course et marche, on fait les deux. Ça, c'est l'ultra-marathon des grandes distances. Et les extrêmes, c'est pour dire on ne va pas courir en ville, on ne va pas courir dans des pays, entre guillemets, sécurisés, parce que vous courez en France, vous courez en Europe, vous courez aux États-Unis, quand vous courez sur les routes, c'est sécurisé parce que tous les jours, vous pouvez croiser des gens, il y a des hôtels, il y a des restaurants, vous pouvez vous alimenter. Nous, on va courir dans les endroits les plus... En tout cas, pour moi, c'est les endroits les plus beaux et je vous souhaite d'y aller, les déserts. Là où il y a très peu de présence humaine. C'est pour ça, dans le monde, les ultramarathoniens d'extrême, nous sommes à peu près 700 à faire ce genre de course. 700 personnes sur... Vous prenez la population mondiale aujourd'hui, on est 7,7 milliards d'habitants sur Terre. 7,7 milliards! Et nous sommes que 700 à pratiquer ce genre de course dans les déserts. Et pourquoi on est très peu nombreux? Parce que non seulement on est capable de traverser ces endroits, c'est-à-dire, alors vous imaginez, on a notre sac à dos, j'ai à peu près toujours entre 15 et 25 kilos sur le dos, parce qu'il faut l'alimentation, il faut de l'eau, il faut les vêtements de rechange. Il faut les vêtements pour la nuit, parce que les déserts, il ne fait pas que chaud. Là, vous avez un désert chaud. Autrement dit, la journée, il fait 50 degrés, on est en Namibie. Et le soir, il fait à peu près 30 degrés. Donc, la différence thermique, le différentiel d'écart de température n'est pas important. Mais on peut courir aussi dans des déserts froids. Ici, dans l'Hindou Kush, on est du côté du Pakistan, en Inde. Et on traverse des endroits qui sont extraordinaires. Il fait chaud la journée. 40 degrés, mais la nuit, on descend à zéro. Et quand vous passez de 40 degrés à zéro, c'est compliqué. Et donc là, il y a des peurs, parce que quand vous partez dans ces endroits fascinants que sont des déserts, vous savez, les déserts, c'est des maisons aux parois de néant. Il n'y a rien. C'est l'immensité. Quand on part dans les déserts, c'est un confinement volontaire. Tiens, on a parlé de confinement. Moi, je cherche le confinement, mais volontaire. C'est un confinement de l'espace, de l'immensité. Et on traverse ces endroits qui sont riches d'histoire, qui sont riches de social, qui sont riches de merveilles, parce que vous croisez l'improbable, l'insondable. Mais quand on part là-bas, on a toujours peur, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On n'est pas à l'abri, et c'est souvent le cas en ce qui me concerne, il y a toujours plein d'impondérables, plein d'incertitudes, plein de difficultés qui viennent, parce que la vie, c'est que ça. Et dans les déserts, on ne fait que ça. Donc, je vous présente quelques photos de déserts, j'ai pu traverser. Ici, on est au Chili,
à 5000 mètres d'altitude. C'était le marathon le plus haut du monde, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a plus de 5500 mètres d'altitude. On est en haute altitude. Et quand vous courez en haute altitude, il n'y a pas d'oxygène. Oh, on ne respire pas. La difficulté, c'est je fais comment pour respirer. Donc, ultra-marathon, la clé, la force, la réussite pour pouvoir faire face aux défis, faire face aux peurs, c'est la préparation. Tout est question de préparation. Tout se joue en amont. C'est comme vous, quand vous allez à l'école, ce qui compte, ce n'est pas le jour J, quand vous avez un contrôle, un examen. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous avez fait avant pour bien vous préparer au contrôle, les devoirs, les révisions. Et si vous avez bien révisé, travaillé, par exemple, eh bien, normalement, le contrôle, ça devrait bien se dérouler. Quand on est bien préparé, on peut s'adapter, on peut improviser. Et donc là, on court dans des endroits qui sont fascinants. Là, juste dans la photo, le blanc, ce n'est pas de la neige, c'est du sel. On est en haute altitude dans l'Atacama désert. Donc, on peut courir dans des endroits improbables. L'endroit le plus... Pour montrer les peurs, comment elles sont là. Là, la dernière course, c'était la course de la survie, par exemple. Alors, c'est intéressant, le mot survie, on peut l'écrire de différentes manières. Survie, avec un E. Mais survie, on dit que c'est l'anagramme de virus. Et que le gel hydroalcoolique le plus efficace pour lutter contre les peurs, si je veux prendre l'image avec aujourd'hui, on n'a pas arrêté de se laver les mains de gel hydroalcoolique, mais dites-vous bien que le gel hydroalcoolique symbolique, le plus puissant pour lutter contre toutes les peurs, contre toutes les incertitudes, c'est votre volonté, votre envie de croire toujours au meilleur, votre envie d'avancer. Ici, par exemple, la photo que vous voyez, nous sommes en Mauritanie. C'est ma dernière course, il y a à peu près 5 mois. Ce n'est pas vieux, c'est juste avant le confinement. Je suis parti là-bas en Mauritanie, donc là, c'est l'espace. Et on avait une grande course. On était 15 coureurs du monde entier. 15, peu nombreux 15. Et quand vous partez à 15, très vite, vous êtes tout seul. On a traversé des déserts de sable, on a traversé des déserts de pierre. L'enjeu, c'était de faire 1000 km. 1000 km, c'est la traversée de la France nord-sud en 15 jours. Donc, c'est un peu rapide. 1000 km en 15 jours. Ça veut dire à peu près 100 km par jour. Et après, on gère. Et là-bas, j'ai eu plein de peurs. Parce que ce qui s'est passé, normalement, tous les 40 km, tous les marathons, on était censé avoir des ravitaillements. On était censé nous donner, récupérer de la nourriture et récupérer de l'eau. Il n'y a pas eu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu assez de ravitaillement, il n'y a pas eu assez d'eau. Donc très très vite, au bout de 2-3 jours, tu n'as pas ça et il faut traverser. Et là, tu as peur, je fais comment pour manger, je fais comment pour boire. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas avancer. Et donc la mort, elle rôde autour. Or, la clé, c'est de se dire, et c'est ça la grande force de l'humanité, des hommes, des femmes et des enfants, on est capable de s'adapter, de faire preuve d'agilité. Et moi, la solution que j'ai trouvée là-bas dans le désert mauritanien pour pouvoir faire face, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça a été d'aller rencontrer les nomades, d'aller rencontrer les gens. J'ai changé ma course parce qu'on court avec la boussole. C'est aussi ça l'ultramarathon. On n'a pas de GPS. Vous, les enfants, je ne sais pas si vous utilisez des boussoles aujourd'hui. Une carte, une boussole, il faut faire la même par rapport aux étoiles et il faut repérer, bien sûr, les différentes positions, comment vous allez avancer à la boussole. Donc, on fonctionne à la boussole. Et j'ai décidé, moi, de changer à travers ma carte. J'avais repéré des points d'eau. Et je me dis, s'il y a des points d'eau, il y a forcément des villages nomades. Et c'est eux qui vont m'alimenter en eau. C'est eux qui vont me donner à manger. Grâce à eux, j'ai survécu. Sinon, ça aurait été la catastrophe. Et non seulement, moi, la course à pied, je la conçois que pour rencontrer des gens, voir comment ils vivent, ces gens-là, discuter, apprendre, grandir. Et quand vous courez, surtout des grandes distances, on n'est pas à l'abri de la blessure. Et là-bas, je me suis blessé au bout de 700 km. Et il a fallu tenir, ne pas lâcher. Je me suis blessé au niveau des pieds. Parce que les ampoules, vous imaginez quand vous courez 700 km, ça frotte dans le désert. Parce que quand vous prenez une paire de baskets, là-bas, je suis parti avec une paire de baskets. Par exemple, les enfants, une paire de baskets taille 48. C'est une grande paire, du 48. D'habitude, je fais du 42-43. Et là, je suis parti avec du 48. Parce que quand vous courez dans le grand chaud, on est toujours debout. Quand on est debout, le sang circule du haut vers le bas.
ça s'accumule au niveau des chevilles, les chevilles vont gonfler, les pieds vont gonfler. Donc, il faut prévoir que les pieds vont gonfler et qu'à un moment donné, ton pied ne va pas faire du 42, il va gonfler pour aller jusqu'à du 44, 45. Donc, il faut une grande paire de baskets. Mais courir avec une grande paire de baskets quand tu n'as pas l'habitude, le pied glisse. Et donc, ça a frotté et ça m'a ouvert toute la peau au niveau des voûtes plantaires et je ne pouvais plus poser le pied. Mais il faut malgré tout avancer. Là, il y a eu des peurs extraordinaires sur la Mauritanie. Et je vais vous présenter comment on peut courir dans des endroits extraordinaires, partout, à la fois. Malek, j'aurais une dernière question à te poser après. Vas-y, finis, mais j'aurais une dernière question à te poser après, quand même. Oui, juste pour vous montrer les belles images, on peut aller même courir au pôle sud, en Antarctique. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller au pôle sud, les enfants, parce que c'est fascinant. C'est le désert de glace, c'est le Grand Blanc, c'est les montagnes. Donc voilà, là, vous me voyez en posture, course à pied, dans le pôle sud. La difficulté au pôle sud, et là on a des grandes peurs, c'est le grand froid. Il fait moins 45 degrés, moins 50 degrés. Et quand vous courez à moins 50 degrés, le danger c'est si vous... quand vous courez au sud, il y a de l'eau qui apparaît. Et quand vous courez dans le grand froid, si vous évacuez pas la sudation, vous gelez de l'intérieur. Et c'est la mort, assurée. Donc encore une fois, la question qui se pose quand on prépare des grandes courses, c'est je fais comment pour trouver des solutions que je n'ai pas maintenant, mais que je vais trouver parce que je vais me préparer, je vais m'entourer d'une équipe seule, je ne peux rien faire. Et on est capable après de faire des traversées dans le pôle sud extraordinaires avec les coureurs du monde entier, on était 50, et après on était tout seul sur le 100 km. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y aurait beaucoup de choses à vous raconter sur la course, comment on fait, comment on survit, comment on évacue la situation, comment on fait face à la tempête de neige. Mais peut-être une dernière histoire sur les peurs et sur la capacité à faire face, les enfants, qui va faire le lien avec ce qu'on a vécu le confinement. Et on va retourner cette fois-ci en Amérique du Nord. On va aller chez les... Ça me fait penser, voilà, par rapport aux questions que tu avais évoquées, Déborah, les enfants. On va aller chez les Amérindiens. Alors, vous connaissez les Amérindiens. On dit souvent les Indiens. Vous avez dû voir des films de western, les cowboys et les Indiens. Le terme qu'on emploie pour les peuples premiers, on parle d'Amérindiens. Mais normalement, le vrai nom, les Amérindiens en Amérique du Nord, ils ne s'appellent pas Amérindiens. Ils ont un nom dans leur langue. Ils s'appellent les Lakota. Lakota. Lakota, ça a donné un État en Amérique du Nord, aux États-Unis d'Amérique, deux États, à la frontière du Canada, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. L'État du Dakota, ça vient du terme Lakota, avec un L, Lakota. Lakota, dans la langue, chez eux, ça veut dire unité, ça veut dire amitié, ça veut dire premier, peuple premier. Les Lakota, c'est les premiers peuples amérindiens et c'est eux qui ont donné les noms à tous les autres peuples existants sur l'État d'Amérique du Nord. Les Sioux, les Comanches, les Apaches, les Crous, les Blackfeet, tous ces peuples que vous avez dû entendre quand vous avez peut-être vu, peut-être, je ne sais pas si ça se regarde encore aujourd'hui, les westerns. Moi, quand j'étais petit, j'adorais les westerns. Oh là 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 là, j'en ai regardé. Et j'en regarde toujours, parce que papa adorait regarder les westerns. Et il y a de très beaux films, même si après les westerns, ce n'est pas la vraie réalité. Mais ce qui est intéressant, les Lakota, ils ont des histoires extraordinaires. Et j'aimerais vous raconter une de leurs histoires, les Lakota. On a beaucoup à apprendre de ces peuples-là. Il y a eu des grands chefs. Il y a un chef peut-être que vous avez dû entendre parler parmi les Lakota, c'est un des plus grands chefs Lakota, Sitting Bull. Sitting Bull, 1850-1890. Son vrai nom, c'est Tatanga Yatanga dans leur langue. Et j'aimerais parler peut-être d'un de ses ancêtres à Sitting Bull, Ours Debout, un des grands chefs. Tiens, on revient sur l'ours, ça va faire le lien avec le démarrage. Ours Debout. Ça fait une boucle, c'est cyclique, parce que tout tourne. Ours Debout a été un très grand chef. À la fin de sa vie, Ours Debout, c'était un chef et c'était un chaman. Autrement dit, un homme médecine. C'était quelqu'un qui soignait les gens face à la maladie. On parle de chaman. Alors nous sommes, aujourd'hui nous sommes en 2020. Là, l'histoire se passe et c'est une vraie histoire. Elle se passe en 1895. C'est le 19e siècle. Donc il y a à peu près plus de 200 ans. C'est pas si vieux. 200 ans dans notre histoire. Et en même temps, c'est très récent. Nous sommes en 1895. Ours Debout est très âgé. Et il sait
que sa vie est sur le point de se terminer. Il doit laisser la place aux jeunes, parce que c'est eux qui vont constituer l'avenir, les enfants, la jeunesse. Il a atteint un âge canonique, quand on dit canonique, c'est un bel âge, plus de 100 ans, et il est fatigué. Mais à cette époque-là, eux, les Amérindiens, ils avaient quelque chose de fascinant. Ils sont capables de sentir, on dit, l'invisible, ce qui ne se voit pas. Il sait qu'il doit partir, vivre ailleurs, il doit quitter cette terre. Alors, il convoque toutes les tribus indiennes qui vivent sur l'État des États-Unis d'Amérique, qui vont devenir les États-Unis d'Amérique, parce que la conquête de l'Ouest est terminée pratiquement en 1795. Et les Indiens, tiens, c'est intéressant, on va faire le lien avec ce qu'on a vécu, les Indiens sont parqués dans des camps. Ils sont mis dans des camps pour les contrôler. On contrôle leur territoire. Autrement dit, ils sont confinés. Ils ont connu le confinement, les Indiens. Ils ont été confinés, mais on a réduit leur liberté, ils ne pouvaient pas sortir d'un certain espace. Ils ont été confinés, ils ont été, un mot un peu plus dur, parce que ça montre qu'ensuite, les relations ont été dures, parqués dans des camps. Et Ours Debout est dans un de ces camps-là. Mais il doit partir. La mort est là, elle est proche. Alors il convoque toute la jeunesse pour leur dire « Mon temps est révolu et je laisse la place à quelqu'un de plus jeune pour guider le peuple. » Toutes les tribus viennent le voir parce que ce chef, ce chaman, il est aimé. Il est aimé parce qu'il est connu, parce qu'il est reconnu pour sa sagesse. Parce que sa parole est puissante. On dit qu'une parole est puissante, c'est quand il emploie des mots, il trouve les bons mots pour dire les choses. Son jugement est bienveillant pour dire qu'il a la capacité à comprendre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Son silence, il est invitant pour dire qu'il sait s'effacer et laisser la place aux autres pour pouvoir s'exprimer. Et son rire jubilatoire. Quand il rigole, tout le monde rigole. Ça donne de la joie. Tout le monde vient pour l'écouter, pour comprendre pourquoi il va partir. Et il leur dit ceci. Mes amis, je suis très âgé et je suis fatigué. Et j'ai décidé de partir, tout simplement, pour laisser la place aux autres, à la jeunesse. Mais avant de partir, leur dit-il, j'aimerais vous faire un cadeau. J'aimerais vous faire un cadeau, mes amis, mes enfants, les jeunes, les adultes. Parce que aujourd'hui, les jeunes, vous voyez, je ne peux rien contre le progrès. Vous n'êtes plus capable d'entendre la complainte du bison. Vous n'êtes plus capable d'entendre le chant des oiseaux. Vous n'êtes plus capable de sentir l'herbe qui pousse. Ce n'est plus votre monde. Vous êtes capturés, captivés par les villes qui naissent dans tous les pays. C'est gratis. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces bâtiments qui montent. C'est votre monde, ce n'est pas le mien, mais ce n'est pas grave. C'est votre vie, faites-la. Mais quand vous allez partir là-bas, vous, la jeunesse indienne, je vais vous donner, dit-il, 6 mots. 6 petits mots voyageurs qui vont aller avec vous. Vous allez les garder précieusement. Et à chaque fois que vous avez des difficultés, à chaque fois que vous avez de la tristesse, à chaque fois que vous avez peur, regardez ces mots. Alors les jeunes sont surpris. Ah bon, des mots qui vont nous permettre de mieux vivre, tout à fait. Alors venez, leur dit-il, donnez-moi vos peaux de bison, parce qu'à l'époque, ils écrivaient sur des peaux de bison, sorte de grands sangliers puissants. Je vais vous les écrire. D'abord, je vais vous écrire 3 mots. Les 3 premiers mots qui vont vous permettre de faire face au début de votre vie. Et après seulement, vous allez revenir me voir. Je vais vous attendre. Je vais suspendre le temps. J'ai ce pouvoir-là. Je vais suspendre le temps. Et je vais vous donner les 3 derniers mots. Alors, bien sûr, tout le monde passe avec leur peau de bison et il leur écrit 3 mots. Et tout le monde met dans sa poche. Et la jeunesse s'éparpille. La jeunesse part dans tous les territoires. Denver, Baltimore, Chicago, New York, Los Angeles, San Francisco. Parce qu'il faut savoir que, maintenant, quand vous voyez les grandes images de ces grandes villes, ces grands gratte-ciels qui montent dans le ciel, ces villes verticales, elles ont été construites aussi par les Amérindiens. Ils ont été des ouvriers extraordinaires. Mais dans la ville, les Indiens, ils ont dû faire face au racisme. Ils ont dû faire face à des incompréhensions. Il y a eu de la joie, mais de la tristesse. Il y a eu du bonheur et il y a eu, hélas, du malheur. Il y a eu de l'humilité, il y a eu de l'orgueil. Bref, à chaque fois, des sentiments contradictoires. Ils passaient par différents sentiments. Et à chaque fois qu'ils étaient tristes, à chaque fois qu'ils étaient déçus, à chaque fois qu'ils étaient malheureux,
ils ont tous, cette jeunesse indienne, le réflexe de prendre la peau de bison et de regarder les trois mots. Et que disent les trois mots ? Ne rien craindre. Ne pas avoir peur. La vie, c'est que ça. Parce que la peur n'a qu'une seule peur. La peur n'a qu'une seule peur, c'est que tu la quittes. Tout est à comprendre et rien n'est à craindre. Et quand ils comprennent qu'il ne faut pas avoir peur malgré tout et qu'en dépit des difficultés, il faut avancer, alors ils avancent, ils continuent à construire, ils vivent, ils font face, ils accueillent leur peur et ils avancent. Et ils sont heureux. Et là, ils se disent tous et toutes, et c'est quoi les trois derniers mots alors ? Et ils reviennent tous voir le grand chef ours debout, Lakota, dans sa réserve. Et quand ils arrivent tous au même moment, au bout de 10 ans, 15 ans, ils ont tous grandi, ils ont des enfants. Ils viennent le voir, il a allongé sur sa paillasse, âgé, très âgé, mais il a suspendu le temps, il les a attendus. Et quand il les voit tous revenir, ce grand chef se dit, « Ah, il semblerait que mes mots n'ont pas été futiles, mais bien utiles. Ça a servi parce qu'apparemment, ils l'ont utilisé, ils ont su faire face à leur peur. La vie, c'est que ça. Faire face aux peurs, faire face aux dangers, affronter l'inconnu. Alors, ils se lèvent péniblement et leur disent, mes amis, vous connaissez les trois premiers mots de l'existence, ne rien craindre. Je n'ai pas la force de vous écrire à vous tous et toutes les trois derniers mots parce que maintenant, je dois partir. Je vais vous les dire. Et avec ça, vous êtes capables toujours d'avancer dans la vie, plus tard. Et il leur dit ceci, ne rien craindre, ne rien regretter. Donc, ne rien craindre, ne rien regretter, ce qui vous permet de faire face à tous vos défis, et surtout plus demain. Merci Malek, c'était magnifique. Merci pour tous ces contes. Alors, si on résume un petit peu... la façon dont on a tiré ce fil, en fait, de comment nous-mêmes on a fait les alchimistes, comment on a transformé un peu le plomb du confinement en or de l'expérience, hein, c'était la promesse qu'on avait envie de tenir. On se rappelle qu'il y a donc eu cette hibernation, cette pause, que cette pause, elle nous a permis justement de nous transformer, de nous repositionner, que dans ce moment, on a essayé de garder un esprit ouvert sur le monde, qu'il faut essayer de garder un esprit ouvert sur le monde pour ne pas avoir peur, être capable de renouer à la nature, de se reconnecter au reste du monde. Et ça me fait penser à une phrase que disent nos amis de l'Institut des Futurs Souhaitables, qui sont partenaires des Confkids, c'est que l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Et donc là, on a vécu une grande période d'incertitude, on est encore dedans. Et donc, une des façons de se préparer en cette période d'incertitude, c'est peut-être justement de garder cet esprit ouvert, de ne pas être dans la peur. Et les enfants, pour ceux qui ont envie, j'ai envie de vous donner le mot de la fin. On va regarder le dessin d'Olivier en attendant. Comment vous voyez l'avenir, vous, les enfants ? Comment vous avez envie que ça se passe ? Comment vous le projetez ? Et comment vous avez envie, vous, de le préparer à votre niveau ? Qu'est-ce que vous avez envie de créer demain ? Donc, est-ce qu'on peut vous entendre ? Levez la main, partagez avec nous si vous avez envie, on compte sur vous. On a besoin, nous les adultes aussi, dans ce temps d'incertitude, de se dire comment on se projette. Alors, je vois que Raïm a levé la main. Alors, Raïm, tu restes, on te donne tout de suite la parole. On va regarder le dessin d'Olivier en attendant. Merci Olivier encore pour toujours des dessins magnifiques, hein. Évidemment, au début, on a un choc. Il est à la fois positif, et puis, mais il est aussi négatif. L'hibernation, c'est un cadeau. On va se nourrir, être confortable, raconter, rêver, oui, parce qu'en fait les récits nous ont portés dans ce moment-là. Les filiances, c'est un nouveau mot qu'on a tous découvert aujourd'hui, le courage, la générosité, l'ouverture au monde, tout ça, cette incertitude doit nous permettre en fait de rester ouverts et de préparer l'avenir, d'anticiper, de s'adapter. Raïm, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu as branché ton micro? Non, c'est Alikian d'ailleurs, c'est pas Raïm. Vas-y, on t'écoute, Alikian. Tu as le dessin d'Olivier sous les yeux, ça va peut-être te faire réagir. Alikian, tu es là ? Oui. On t'écoute. Moi, l'avenir que j'aimerais, que j'aimerais créer avec, avec la jeunesse et tous ceux qui sont comme moi, enfants, entre 10 et 12 ans, même beaucoup plus. J'aimerais créer un monde où
il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de comme on avait expliqué sur beaucoup de conflits, d'émotions désagréables. D'accord. Exact. Ouais. Autre chose ? C'est déjà pas mal hein, si on construit ça, je l'avouerai. C'est déjà magnifique. Merci Alikiane. Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui veulent nous partager comment on construit l'avenir ensemble ? Comment on prépare tout ça ensemble ? Dites-nous Fanny, Florence, Iseline, Juliette, Julien, Solveig. Partagez-nous comment vous voyez les choses. Non, vous êtes timide encore aujourd'hui ? Ah, vous êtes plutôt dans le question-réponse. Oui, le vivre ensemble, bien sûr. La paix, bien sûr. Bah oui, il faut préparer la paix. Bon, c'est en tout cas un monde plus apaisé dont rêvent les enfants et c'est ça qu'on peut préparer. Malek, merci mille fois d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir embarqué dans cette grande histoire. Merci de nous avoir partagé ton expérience personnelle aussi parce que l'ultra-marathon d'Exprême a des choses nous a appris par rapport à cette expérience-là comment on pouvait traverser en incertitude cette période-là. Merci à Olivier de nous avoir récapitulé tout ça, ne rien regretter, ne rien craindre. Malek, tu veux nous dire un dernier mot rapidement parce qu'il est déjà midi 5 et qu'on a plus que largement débordé. Non, ça a été j'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment les enfants. Et s'il y a une phrase à retenir, ayez ça en tête. J'aimerais citer Sénèque parce qu'on n'a rien inventé les enfants, tout existe depuis la nuit des temps. Sénèque nous dit, c'est un philosophe du deuxième siècle, c'est très très longtemps, tout début du siècle, après l'an zéro. La vie, c'est pas attendre que l'orage passe, c'est savoir danser avec la pluie. Ah, c'est la vie, c'est pas attendre que l'orage passe, c'est savoir danser avec la pluie. En ces temps d'incertitude, les enfants, et même pour les grands enfants, si on veut accueillir les couleurs de l'arc-en-ciel, il faut savoir accepter le gris de la pluie. Et quand on accepte le gris de la pluie, on peut mieux apprécier les couleurs du monde et jouer avec. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Merci Malek. Alors écoute, en plus, tu m'offres sans le savoir une transition magnifique parce qu'on a parlé aujourd'hui de la nourriture de l'âme que sont les récits. Et on va parler la semaine prochaine avec Nathalie Guita-Babourage, qui est docteur en médecine et aussi experte, ce qu'on appelle en médecine intégrative, c'est-à-dire une médecine qui prend en compte tout l'être humain. Et on va parler de la façon dont on peut se nourrir en mettant des arcs-en-ciel dans nos assiettes. Donc, merci pour cette transition. C'est juste magnifique. Ça va. Juste magnifique. Merci beaucoup à Startup for Kids, merci à Soft Kids, merci à La Caravane, merci à Bayam. Merci à l'Institut des Futurs Souhaitables, à Mouvement Up, à Pixelis de nous avoir accompagnés sur cette conférence en particulier et puis pendant tout le confinement. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la toute dernière conférence où on va discuter justement de la façon dont on peut à la fois combiner la nourriture de l'âme et la nourriture du corps puisqu'on a tout un été justement où on espère qu'il va faire beau et chaud, pas trop évidemment, juste ce qu'il faudra pour qu'on puisse tous profiter et du coup on pourra prendre le temps de réapprendre à se nourrir. Racontez-vous des histoires pendant tout l'été et pendant toute la vie et puis pendant tout l'été on va réapprendre à se nourrir grâce à Nathalie la semaine prochaine. Merci à tous, merci à Eric, merci à Hélène, à Olivier, à Samuel, merci à tous les enfants qui étaient là d'avoir partagé avec nous ce super beau moment. Merci Malek encore pour ce voyage. On vous embrasse tous et on vous dit à samedi prochain à 10h30. Ciao. Bye bye. Bye.